Tu as peut-être déjà entendu parler du Gulf Stream. C'est en fait un courant marin de surface. Il prend sa source le long de la côte américaine, depuis le golfe du Mexique, et se dirige vers le nord-ouest de l'océan Atlantique. Et en approchant de l'Europe, il se scinde en deux. Une partie de ses eaux tempérées va vers le nord, l'Irlande et l'Écosse, et une partie plus au sud, en face du Portugal. Vous l'aurez compris, il transporte des eaux chaudes, des zones subtropicales vers les pôles, sous l'impulsion des vents dominants du sud-ouest. C'est comme un immense tapis roulant qui transporte près de 20 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Et tout comme l'atmosphère, l'océan joue aussi un rôle important sur le climat puisque l'eau se refroidit moins vite que l'air. Donc en partie lui qui est à l'origine du climat tempéré que nous connaissons en Europe et des hivers doux que nous vivons en France. Et un petit exemple pour vous convaincre, Royan en France est à la même latitude que Montréal au Canada. Et pourtant on est bien d'accord qu'il fait bien plus froid à Montréal en hiver.